Side by side. Side over side. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui donc pour jouer à Side by Side, un jeu sorti sur PlayStation en 1997 ou 97, développé par Taito. Et pour commencer, il faut savoir que j'avais ce jeu dans mes trucs à faire en fait depuis quelques temps. Et puis récemment. Alors vous allez rigoler parce que quand vous allez voir la vidéo, en fait ça va correspondre à quelques jours à peine après. Y a un membre qui me parle d'un jeu alors qu'on est en plein live, il me parle de Battle Gear. Et ben il s'avérerait en fait que ce jeu soit quasiment un copier-coller de Battle Gear, sauf que c'est sur console et pas sur version arcade. Voilà, donc bah, c'est quoi Side by Side, vous l'aurez compris en regardant l'introduction qui est ma foi fort bien faite. On est dans un mode un petit peu à Initial Day, d'ailleurs qui n'a jamais eu envie après avoir regardé un Initial D, de conduire sur des routes japonaises en côte, faire du drift avec des voitures japonaises. J'en connais pas beaucoup qui n'avaient pas envie après ça. Bon, alors, en général, l'intro c'est bien, mais le jeu c'est mieux. Donc on va voir un petit peu ensemble ce que l'on a pour ce jeu. On va voir le mode option. Alors on a un niveau de difficulté qui est en easy, normal ou difficile. On va laisser en normal. J'ai fait un petit test avant pour voir la maniabilité, etc. Si tout passait bien, ça va en marcher. On a le handling, alors normal, mild ou quick. Donc en gros, je pense que c'est la faculté de tourner. Si le volant tourne d'un coup ou ne tourne pas d'un coup, si c'est plus progressif ou pas. On a le réglage du contrôleur. Comme vous pouvez le voir là. On a que 3 modes, hein. Donc en fait on peut choisir si on freine avec carré ou accélère avec X. Donc là on freine avec carré ou avec rond. Et là on inverse, on accélère avec carré et on freine avec X. Ce qui est assez particulier parce qu'en général c'est plutôt cette configuration là ou là qui est utilisée. Et si vous utilisez le N-Gun, je sais pas comment ça s'appelle, la fameuse manette justement qui est un axe central pour tourner droite-gauche, le jeu le gère. Donc on pourrait jouer avec. Alors vous voyez c'est très austère, on a le réglage du son etc. Vous allez voir il y a une musique, vous inquiétez pas, c'est juste que là on n'est pas dans les modes avec de la musique de fond. On va faire un petit time attack, histoire de vous montrer à quoi ça ressemble. Voilà c'est parti, un peu de musique, ouf. Ça faisait tellement austère sans ça. Alors vous allez voir on a pas mal de circuits, on a dans Theme of Spring, on a Towing, je sais pas comment on prononce. On a Red Leaves, on a Towing encore. On a Towing encore, mais c'est pas le même type de tracé. On a un autre circuit, on a encore un autre là. Alors ils ont tous un nom différent évidemment, mais comme c'est écrit en japonais, je pourrais pas forcément le traduire. Parce que là c'est des gros kanji qui sont difficiles à comprendre. Et vous allez voir qu'on a quand même pas mal de choix. Ça c'est plutôt sympa. Voilà, Midnight, Theme of Spring à nouveau. Bon voilà, voilà ce qu'on a comme tracé. Alors je vous propose d'en faire un petit peu comme ça au hasard. On va faire celui-là. Qui ma foi m'a l'air assez difficile. On va faire OK. Et on va essayer de découvrir un petit peu les voitures auxquelles on a accès. Alors là on a évidemment beaucoup de voitures japonaises, hein, puisqu'on a le thème du drift. Alors on a une 86 Corolla la Levin, jusque là rien d'extraordinaire. Vous voyez que les voitures sont plutôt on va dire bien faites au niveau de la 3D, par contre il n'y a aucun effet de réflexion. Et chose amusante c'est qu'on voit les roues tourner dans le lobby. On a une Celica GT4 WRC qui ouais, plutôt dégueulasse quand même, plutôt mal faite. À la limite, la Supra RZ est beaucoup mieux réussie, et encore, ouais, je dis ça, mais c'est assez moyen. On a une Subaru Legacy Touring Wagon, alors ça c'est un petit peu surprenant quand même. On a une Subaru, donc une Impreza classique. Une Impreza, ah, c'était version 3, c'est ça, donc c'est la version de 96, je crois. On a une Nissan 186, une Civic S, on a une Skyline GTR. Alors je peux pas changer la couleur hein, pour le moment, je crois qu'on peut pas le faire. Une GTR aussi, on a une Honda, CRX. Et il y a du bon monde quand même, on a le nouveau constructeur japonais, il y a du choix. On a même une NSX, une Savannah RX-7, on a une RX-7 RZ, celle qu'on a d'ailleurs dans l'introduction. On a la Mitsubishi Lancer Evolution 4. Ouais donc là par contre on passe à la saison 97 il me semble. 96, vous avez l'évolution 4, je sais plus. Ah, c'est une bonne question. Je sais qu'ils ont fait la transition entre deux années, mais ça doit être 96. Hein. Non, c'est 97. Bon, bref. Et on retourne à la Corolla Levin. Alors, ce qu'on va prendre, je propose pour le début, c'est de prendre la fameuse, évidemment, Trueno. Hein. La mythique voiture de Michel B. Alors, est-ce que c'est une GT86 ou une 85?
Non, 5,86. Allez, c'est parti. Donc là, on est en mode time attack. On peut changer la vue. Alors, vous allez voir, le spotter, enfin, pas forcément en course, mais en tout cas dans le jeu, est tout à fait dans le jus. Ce mec est totalement taré. Alors, attendez, je fais start. On va faire pause. Alors, j'imagine qu'il y a des bandes rouges, ça permet de faire drifter. Bon, ça ne sert à rien. Ce circuit m'a l'air complètement serré. Des courbes rapides d'un coup. Hop, gauche droite, gauche droite. On n'a que 39 secondes pour aller jusqu'au prochain checkpoint. Alors on est en mode normal aussi, vous allez voir que le jeu est absolument difficile. Pas facile du tout. Voilà, checkpoint arrive 12 secondes. Comme vous vous en rendez compte, c'est vraiment les graphismes à l'ancienne. C'est-à-dire que c'est plutôt propre, les textures sont bien faites. En revanche, c'est très contrasté. C'est très cubique, très carré. Ça manque un peu de finesse, mais c'est plutôt joli, pour être contre la peine. Ça aurait pu tourner sur Saturn aussi, je pense. Voilà, Saturn aurait plutôt clenché ses tripes, je pense. Ça serait passé. D'ailleurs, il y a eu des jeux Initial D sur Saturn, hein, à la fois Saturn et sur PlayStation. Ouais, je freine hein, pour essayer de faire un dérapage, mais bon, ça m'aide pas beaucoup. 7 secondes, 7 secondes, 4 secondes. Mais on a fait qu'un tour, vous voyez, on a plus que 45 secondes de time extended. Ça veut dire que là, le prochain tour, bah, il va falloir que je sois vraiment rapide pour pas encore perdre du temps. Bon, le son est correct. Par contre, vous allez sentir que le son sature un petit peu quand on est dans les hauts régimes, c'est assez bizarre. Et là encore, vous n'entendez pas le bruit du turbo, mais quand vous allez entendre le bruit du turbo sur la voiture, ça va vous faire très bizarre. Et ça va être limite être agaçant. Je vais comprendre pourquoi. Parce que le sifflement du turbo c'est cool, mais à un moment c'est chiant. Il y a 8 secondes, 38 secondes de time extended, donc vous voyez, ça c'est en train de baisser. Hein. Si j'étais vraiment rapide, en fait, je resterais à 59 secondes de time extended, et là je suis à 39, donc j'ai de moins en moins de temps en fait, à chaque fois pour faire mes partiels. Vraiment, j'ai 3 tours à faire. Bon, j'ai pas le circuit difficile, évidemment, j'ai pas le circuit facile pour commencer. À 16 secondes, je suis pas sûr d'arriver jusqu'au bout. Alors, vous allez voir qu'ils se sont pas embêtés aussi à faire les décors entièrement. Alors, vous voyez déjà le clipping gigantesque. Et voilà, bah là on a game over, je vais même pas réussir à faire le deuxième tour. Game over. Alors ça sent vraiment le truc qui vient de l'arcade. On va refaire start et on arrive directement au menu principal. Donc 96-97. On va faire, je vous propose un mode arcade. Et j'ai encore fait le mauvais bouton, donc c'est pour ça que je reviens au départ. C'est pas le bouton croix qu'il faut faire, c'est le bouton rond. Donc là c'est une course. On va prendre un circuit plus simple, on va prendre celui-là. On va changer de voiture, on va prendre une... J'ai envie de prendre la Wagon pour rigoler. On va prendre la Subaru, tiens. On essaiera une autre voiture après, voire deux voitures. Alors au niveau du maniement, c'est plutôt sympa. Oh, regardez-moi ces explosions de... à l'arrière. On a 8 voitures contre nous, alors je sais pas si c'est un bug. Oh, je pense que j'ai fait mon départ là, je pense que j'étais pas mal dans le régime. Alors ce qui est sympa au niveau des décors, c'est que même s'ils sont simplistes, ils sont quand même assez différents suivant les tracés. Ils ont fait un effort plutôt sympa. À ce niveau-là. Alors, vous entendez le bruit du turbo là, ce petit... Là, vous allez l'entendre tout le temps. Donc je suis désolé pour vous, mais c'est ce que je critiquais dès le début, c'est qu'on l'entend trop en fait. Après c'est des couleurs bien chatoyantes, hein. Ça c'est assez bien, on va essayer de dépasser les RX-7 devant nous. Alors j'imagine que chaque voiture ayant sa performance, ses performances propres, bah, suivant ce qu'on va prendre, on va avoir plus de mal, par exemple en ligne droite et plus de facilité en virage, ou inversement plus de difficulté en virage et moins de facilité en ligne droite. Oh, il y a un petit effet de réverb dans le tunnel, ça c'est plutôt positif. Alors vous voyez que la Subaru a des ouïes
des ouïes d'aération sur le haut. Ça fait penser un peu à la voiture de Taxi 2 en fait. Alors la musique, c'est une musique qui colle pas du tout à l'environnement. Enfin, elle colle à l'île en fait, ça fait très vacances, mais ça colle pas à un jeu de course. Voilà, on a un time extend, mais on est encore à 27 secondes, donc ça veut dire qu'on a pas beaucoup de temps pour finir le tracé. S'il faut, je baisserai un cran la difficulté, hein, parce que si pour se prendre game over à chaque circuit, c'est un peu bête. On a combien ? On a 7 tours à faire. Le premier est assez loin. Je sais pas si on va pouvoir le rattraper d'ailleurs. Hein. Je vais essayer de pas lâcher l'accélérateur. Pour l'instant, ça se passe bien. Oh, cette musique. Allez, 21 secondes, là ça va encore être juste. Hein. Je pense que je me demande comment on va pouvoir réussir à finir le tour avec le peu de temps qui nous reste. Alors, je sais que par exemple, le Sega Rally était très compliqué aussi dans ce type de jeu. Mais là, j'ai jamais vu ça. J'ai fait quasiment aucune erreur et je suis pratiquement à la fin du time extended. Alors on va arriver jusqu'à la fin, finalement. Mais on va finir à combien? On va finir à 4 secondes. Congratulations! Congratulations! You place first! Non, ça c'est Cigarelli. Donc on finit deuxième. Bah parfait, toujours en trolley, donc ça rentre toujours, ça c'est bien. Et oui, si vos parents vous avez appelé avec un nom à plus, bah vous êtes à quasiment... quasiment, vous faites avoir à chaque jeu arcade en fait, quasiment. Alors on a Nathalie Cusco Morizet qui est 5ème et Rosberg 7ème, ça c'est pas mal. Et on a, je ne dirai pas le nom du deuxième, c'est trop tentant. Alors on a droit à un petit replay, on va regarder un petit peu le replay, voir comment il est fait. Oui c'est propre, hein. Franchement ça rend bien, le jeu est quand même bien vieilli, mais c'est pas mal. Il n'y a pas eu de perte de framerate, on n'a pas eu de soucis à ce niveau là. Mais ce sifflement, c'est ignoble. C'est complètement ignoble. Alors j'espère qu'il y a un autre angle de vue, ce dont je n'ai pas l'impression. Si je fais triangle, si ça change. Ah bah regardez, je peux changer la vue. Par contre, on n'entend que ma voiture, hein. On n'entend pas les autres. Et on n'entend pas de musique surtout, ça c'est un petit peu dommage. Oh, la vue arrière, elle est quand même sympa. En face, vue du dessus, et on a le choix, on a un bon choix de vue, ça c'est bien. C'est là qu'on comprend bien que je ne freine jamais, ni je ralentis jamais. Allez, on va faire start. On peut sauvegarder le replay, on va pas le sauvegarder, on va faire exit. Bon, game over soit, avec un joli screen d'ailleurs, et on repart sur le temps de Taito. C'est vraiment de l'arcade, hein. je vois pas mieux que ça. On va changer dans les options quand même difficulté. Voilà, quand même, parce que j'aimerais pouvoir montrer d'autres circuits. Mode arcade, et on va changer, on va prendre un tracé peut-être totalement différent. Ouais, par exemple, celui-là, ça peut être pas mal. Ou dans les forêts aussi, il a l'air cool. On va prendre celui-là. Alors, vous voyez qu'il y a à chaque fois par exemple, il est marqué Mars. À chaque fois, j'ai l'impression qu'il y a une période différente du circuit. On a une 186, c'est pas mal. Scan GTR. C'est quoi ça? Ah, on a une Civic. Ah non, pourquoi une Civic, tiens? VCRX, pardon, j'ai une Civic, mais c'est une CRX. Ah, le départ était un petit peu moins bon cette fois-ci. J'étais un petit peu trop bas dans les tours. Alors découvrons ce circuit ensemble de je ne sais pas quoi. Hein. Non, je veux dire qu'on était en 6ème vitesse, pas du tout. Ah, ça me fait penser à Initial D, cette histoire-là. Vous voyez les creux, là, dans les virages. Une sorte de fossé. Je me souviens d'un Initial D, justement, où... Bah, je crois que c'est le début. Initial D, je crois que c'est ça. Où, en fait, il va utiliser le fossé intérieur pour, justement, maintenir la voiture sur la route. Ça va lui empêcher de perdre le contrôle. Et c'est comme ça qu'il va pouvoir, d'ailleurs, dépasser son concurrent.
contre, je sais plus si c'est au début de l'Initial D ou si c'est vers la fin ou au milieu, je sais plus du tout. Il me semble que c'est la saison 1, quoi qu'il en soit. Mais... Je vous avoue que j'ai pas vu Initial D plus que ça, j'ai vu la saison 1 un peu en partie. Hein. J'ai vu des bris de d'autres saisons, mais j'ai jamais vu la saison entière. Alors on va essayer de doubler. Je peux changer de vue bien sûr, ouais, j'ai encore une vue un peu plus éloignée. Alors ça, cette vue est pas mal parce que on anticipe un peu mieux les virages. Et c'est là, dans cette vue, que je me rends compte que ça ressemble totalement à Sega Rally. Parce que, comme Sega Rally 1 à l'époque, ils ont pas fait le décor en fait sous la map en fait. Vous allez voir là, regardez en dessous, on voit rien, c'est le vide. On va mettre cette vue un petit peu, voilà, pour avoir un peu plus d'effet de vitesse. C'est quand même beaucoup plus difficile à gérer. Donc on va garder cette vue là, qui est plutôt bonne entre deux. Et là, il n'y a que 3 tours à faire, donc c'est Final Lap, ok. Ah, c'est marrant, les explosions aussi, le coup d'échappement à l'arrière. C'est un détail, hein, c'est tout bête, mais je vous appelle donc qu'il y a rajouté. Le retour de flamme. Bon, j'ai perdu un peu de temps, là. Ah oui, mais bon, facile, hein, je suis quoi, je suis 3ème. J'ai du mal à revenir sur eux. C'est un jeu plutôt sympa, hein. Bon, c'est de l'arcade, vous aurez compris. Mais je trouve que les véhicules ont leur petit charme à piloter, même si ça reste quand même un peu rigide. Alors j'ai pas de vue arrière, j'ai plus sur les boutons arrière, je peux changer les vitesses, mais ça ne fait rien d'autre que ça, sachant que là je suis pas en manuel, donc ça me sert à rien. Et encore une fois, je peux mettre mon meilleur score, ce qui n'a aucun intérêt, mais on va le mettre parce que j'aime être narcissique. Regardez, j'ai le deuxième temps. Alors, est-ce que ce qu'on a? On a Tom Sawyer, on a... Et ABC. Alors, ABC, c'est typiquement le mec que vous avez sur les bandes d'arcade qui rentre pas son nom. Quoi. Mais en général, quand vous... Ou A, enfin 3. Mais je vais vous dire, quand vous faites un meilleur score sur une vraie console d'arcade, en général... Vous marquez votre nom, hein. Ça c'est le truc, limite les gens jouaient qu'à ça, hein. C'était pour mettre le nom en haut de la fiche des temps ou la fiche des scores, mais... Alors là on se retape l'intro. On va faire... Information, tiens. Qu'est-ce que c'est qu'Information? Alors Densha, machin, dans ses trains, ouais j'ai compris, après j'ai pas vu la suite. Oui, c'est ça, c'est les trains, c'est Densha quelque chose, c'est un jeu de management de trains. Pas de management, de pilotage de trains. Ah, c'est Go Train. Densha de Go, ouais c'est ça, bah c'est Densha de Go, Taito. D'ailleurs ils avaient fait, ils ont fait plein de versions, ça existe toujours, Densha de Go, c'est vachement prisé par les amateurs de trains, tous les japonais. Et il y avait même une version sur Neo Geo Pocket, je crois, de ce jeu, enfin il est sorti partout. Ça peut être sympa d'ailleurs, je voudrais faire une vidéo sur Densha de Go, le seul problème c'est que c'est difficile, parce que comme tout est en japonais, pour comprendre, parce qu'en fait le but est assez simple dans ce genre de jeu, c'est vous devez arriver à temps d'une gare à une autre, sachant que vous devez respecter l'imitation de vitesse entre chaque passage, que vous devez perdre le moins de temps à l'arrêt, etc. pour faire le meilleur temps global, et être plus proche du temps requis, pour arriver à la seconde près. Et je peux vous dire que c'est super dur. Alors imaginez le jeu en japonais après, avec les consignes qu'il vous donne, c'est très compliqué. Alors je l'ai essayé sur Neo Geo Pocket, peut-être qu'on y jouera. Un de ces jours, c'est que ça m'y fait penser. Mais donc en gros, carrément, dans la formation, ils font leur pub pour notre jeu, quoi. Magnifique, j'adore ça, c'est incroyable. Allez, on va faire un petit mode arcade à nouveau. Et on va faire encore un petit circuit. Et puis je pense qu'on va peut-être s'arrêter là. On va voir un circuit... Celui-là, il m'intéresse. Je sais pas ce que c'est comme tracé. On va prendre quoi.
Je vais prendre une MSX, une RX7, on va en prendre une ancienne RX7, ça peut être pas mal. Mais t'attends quand même de prendre une MSX. C'est dommage qu'on ne puisse pas changer les couleurs, ça c'est dommage aussi. Alors il est 22 h. Pas mal, pas mal. C'est minute en minute, on a fait mon départ. Je sais pas où je suis censé aller, je ne connais pas le tracé. En tout cas, elle a l'air vachement plus vive, la NS. Ah, quelque chose me dit que c'est un tour en une fois. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... On fait pas le tour de la map, enfin, on fait pas un circuit. On fait d'un point A à un point B, c'est tout. Alors là, c'est là où mon inexpérience va me tuer, parce qu'en fait, je n'arrive pas du tout à manier la voiture. Alors là, typiquement, c'est vraiment du drift, on est dans en mode initialisé complet. Là, je suis sûr qu'il y a les plus connaisseurs qui vont me dire « Ouais, tu nous emmerdes, c'est initialisé, des trucs comme ça, il y en a plein, il n'y a pas de initialisé. » Et vous aurez sûrement raison. Malheureusement, je ne le connais pas. Des jeux comme ça, il y en a plein. Hein. Là, il y a Side by Side, mais d'autres jeux sortis sur console avec le même principe. Je racle les murs à chaque fois. Ça, ça a failli passer. D'ailleurs, il y a encore des bandes d'arcade avec des jeux dans ce style à l'heure actuelle. Hein. On peut taper ça sur internet, sur YouTube. Alors, évidemment, avec les graphismes mis au bout du jour. Toujours le côté ultra arcade évidemment, ce qui fait que c'est plutôt fun, mais c'est pas mal. Enfin, si vous aimez ce genre de jeu, il y a de quoi faire même encore à notre époque. Après, ne donnez pas des noms, je n'en sais rien. Surtout c'est souvent des jeux japonais qui sont pas trop du pays. Alors dites-moi qu'il y a un checkpoint là parce que. Je pense qu'au 81 secondes de Team Extended. Je suis complètement mauvais. Ah ouais, alors là. Mais... Ah oui, comme la voiture tourne vite aussi, elle se met dans des angles assez rapidement. Il va pousser, attention. Alors les collisions sont un peu particulières, hein, sont pas spécialement bien rendues, mais bon, on va dire qu'il est pire. Allez, je me tais un petit peu. Ah, ils m'ont accepté, hein, à 0,0 secondes. Bon, on aura fini. On finit quatrième. Bon, c'était pas très beau à regarder, hein, je vous le conçois. Allez, on va faire un dernier petit circuit pour la fin. De toute façon, vous avez compris, hein, le but du jeu. Et là, eh ben, on a... non, il y a Ken le survivant qui est 8ème. On a le replay, on va faire sortie. Game over! Game over, yeah! Bon, il est pas mal ce game over, mais je ferai quand même le game over de Sega. Side by side. Allez, un petit dernier. Ouais, le tone on l'a fait, on va prendre celui-là. Putain, je l'ai déjà fait celui-là. Vous allez me tuer parce que je crois que j'ai déjà fait. Mais bon.
On va prendre la NSX cette fois-ci, on va prendre une... Qu'est-ce qu'on pourrait prendre? 180 NSX, ou... Ah, la NSX cette fois-ci. Qui est une voiture assez mythique aussi. Ah bah il neige. Comme ça on aura vu un peu tous les temps. Ouais, le son des turbos, ils ont un petit peu fumé quand même. Alors ça glisse énormément, hein. Quand on est dans l'air, dans la neige sur le côté là, c'est impossible à rattraper quasiment. Donc faut vraiment rester sur la piste. Regardez comme ça glisse. J'arrive même pas à revenir sur la piste. Oh my word. Ah ouais, alors très complètement. La voiture ne glisse même pas, regardez. Regardez l'angle que je prends. À aucun moment la voiture arrive à tourner. Hein. Regardez, à aucun moment j'arrive à tourner, hein, c'est... Non, non, ça marche pas. Peu importe l'angle que j'ai, bah, la voiture va taper le mur, en fait. Voilà, ça a l'air un peu mieux. Allez, j'ai carrément la contre-braquer comme ça, regardez, c'est totalement improbable. Ah, enfin, on a rempli du grip. Ouf. J'ai peur. Mais le tour était tellement pourri que je pense que... je pense que là, ça va être compliqué de... De raccrocher les gens devant nous. Ah, c'est fini, on est parti dans la zone neigeuse. Oh bah là, je vois pas comment on va faire. Hein. Ah, là, et l'autre côté, c'est pareil. Boum, je vais prendre les murs. Et je vais jamais pouvoir en sortir. Allez, j'ai beau tourner comme ça. J'ai vraiment du mal à sortir de cette zone. Alors évidemment pas de dégâts sur les voitures, vous l'aurez compris. Je suis à l'arrêt complet. Non, je n'y arrive vraiment pas là. J'arrive même pas à savoir comment on peut occuper le grip. C'est même ridicule en fait. Je prends tous les murs, je faisais en pareil que tout à l'heure. Et là d'un coup le grip revient et c'est parti. Et là, il me restait 9 secondes, ouais, je pense pas qu'on va réussir. J'ai profité de ces zones-là pour récupérer un peu de temps, parce que c'est le seul endroit en fait où on sort. Bah, dès le départ, boum, ça tape et c'est fini. Et là, je me prends tous les murs. Ah, là, pas celui-là, peut-être pas celui-là. Elle essaie d'accentuer ma prise de virage, mais ça passe moyen. Hein. Oh, on a même rattrapé une voiture devant nous. Crédible, il est... Par contre, je pense qu'on va pas être sauvé du game over. Si, on va se reprendre quand même. Ouais, si je contre-braque, enfin, si je braque beaucoup plus, ça va repasser, mais regardez, c'est ridicule. Je suis quasiment à 180 degrés de la piste. No. Alors ouais, le circuit, on était pas loin de la fin, mais bon, on était à un virage en fait de réussir. Bon, et eh bien écoutez, on va s'arrêter là, hein, je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire de plus. C'est un jeu à l'initial D, c'est un jeu brouillard correct, hein, même si là ça me paraissait totalement impossible de réussir quoi que ce soit, mais bon, on va dire que le reste se rattrape un petit peu. Si vous aimez ce genre de jeu, bah écoutez, testez-le, hein, faites-vous votre propre avis. Je trouve que c'est un jeu qui est plutôt pas mal, surtout quand on pense qu'il est sur... Enfin, c'est 96-97, donc on est quand même encore un peu au début, la première partie de la Play 1. Donc, tout ce qui est son, graphisme, hormis turbo, c'est pas mal. Donc, est-ce que c'est un bon jeu? Je dirais que c'est un jeu correct, sans plus. Je pense qu'il y a moyen de trouver beaucoup mieux dans ce style-là, mais... Au global, c'est un jeu pas mal. Voilà. Allez, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. Ciao tout le monde! Side by side.